Bonjour mes petits cuistots. Aujourd'hui, on va cuisiner deux recettes pour le goûter. Enfile ton tablier et tes bottes. On part en direction du jardin avec des brioches escargots. Allez, on va trancher à peu près 1,5 à 2 cm. Bien sûr. Et voilà, j'ai obtenu 6 tranches. On va les mettre sur mon tapis de cuisson. On pose ma dernière tranche et je laisse repousser pendant une demi-heure sous un torchon humide. On laisse pousser pendant une demi-heure. Avec le reste de pâte, j'ai fait 6 petites boules. Donc on va faire le corps d'escargot. Je suis chef Chica pour former le corps de tes escargots. On appuie et voilà. J'en ai fait 6. On va dorer maintenant les coquilles d'escargot. Badigeonne les coquilles avec un jaune d'œuf. Elles seront toutes brillantes et croquantes après la cuisson. Waouh! J'en bave déjà d'impatience! On va enfourner enfin dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes. Je vais dessiner la feuille en chocolat. Donc sur une pochette classeur ouverte, j'étale généreusement le chocolat noir fondu. Ensuite, je prends une tablette de chocolat et j'étale en dessinant la forme d'une feuille. À ton tour de créer de très grandes feuilles de chocolat pour tes escargots. Je savais que les arbres en chocolat existaient. Sur ma grande assiette creusée, place au frais. On va garder au frais jusqu'à la fin de ma recette. On va passer au montage des escargots. Je coupe demi-cadeau. Et je viens planter ici pour faire les antennes. Ensuite, un peu de pâte à tartiner juste dans le creux et je viens poser le coquille d'escargot. Voilà les brioches en escargot. Je vais pocher la crème chantilly sur ma feuille en chocolat et je viens déposer un escargot. Les voici, les escargots en brioche. Regarde, tes escargots sont sortis de leur coquille pour le goûter. Allez, on file rapidement en cuisine pour réaliser des glaces de toutes les formes. Chouette, ça va être parfait pour se rafraîchir. Utilise des coulis de fraises et de chocolat pour créer 3 parfums de glace. 3 parfums? Je vais devoir tous les goûter pour savoir celui que je préfère. Pas encore, petit gourmand. Attrape tes emporte-pièces pour créer tes formes préférées. Et ajouter des fruits et pépites de chocolat surprise. La plongée dans le chocolat, c'est le moment que je préfère. Je suis sûr que tu vas aussi adorer la décoration avec les billes et perles de sucre. Super, tes glaces sont prêtes. Savoure-les vite avant qu'elles ne fondent.